Pour pouvoir utiliser correctement un ampère-mètre, on doit convertir sans erreur les ampères en milliampères. En effet, on se place au début sur le calibre 10 ampères, le moins fragile, mais aussi le moins précis. Les autres calibres de l'appareil étant en milliampères, il faudra faire cette conversion. Pour rappel, le calibre est la plus grande valeur que l'appareil peut supporter. Plus le calibre est petit, plus il est fragile, mais il est aussi également plus précis. Il faut donc aller vers les petits calibres quand on fait une mesure et quand c'est possible, pour avoir la valeur la plus précise possible. Il faudra toujours que la valeur soit plus petite que le calibre pour pouvoir régler l'appareil sur ce calibre. Cette conversion est facile, c'est la même que pour passer des mètres au millimètre, des grammes au milligramme, etc. Il existe de nombreuses techniques pour faire cela rapidement. Un tableau de conversion, par exemple, c'est celui-ci qu'il faudra utiliser. On met le chiffre avant la virgule dans la case ampères, puis on écrit les autres chiffres et on complète si nécessaire avec des zéros jusqu'à la case milliampères. On enlève ensuite la virgule et les zéros inutiles. On peut aussi retenir que les milliampères sont le troisième chiffre après la virgule et lire directement le nombre en rajoutant les zéros nécessaires et en enlevant la virgule. On peut aussi déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. On peut aussi se souvenir que pour passer des ampères aux milliampères, il faut multiplier par 1000, ce qui revient à multiplier 3 fois par 10. Entraîne-toi maintenant à convertir ces nombres, mets en pause, puis relance pour la correction.